un seul ingrédient pour ce pain croustillant et moelleux sans gluten. Il m'a fallu plusieurs essais pour avoir ce parfait résultat, alors c'est parti! L'ingrédient principal, c'est du riz cru qu'on fait tremper au préalable. J'ai mis du sel, de l'huile d'olive, du miel et de l'eau tiède. C'est une pâte sans pétrissage. Une fois la pâte bien mixée, on ajoute de la levure boulangère et on remixe quelques secondes. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, tu laisses pousser dans un endroit chaud. Et quand ça a doublé de volume, ça part en cuisson. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseillère en nutrition certifiée, auto-entrepreneuse. Alors si tu as besoin d'aide pour rééquilibrer ton alimentation, clique sur le lien dans ma bio. Tu coupes le pain une fois qu'il est bien refroidi au frigo. Moi, j'étais pressée, j'ai pas attendu. Et c'est très très bon.